trous ou trois brimbales et plus de canne. Ouais. Mais putain, il y a beaucoup de neige quand même. On aurait dû amener la pelle, ouais. Vos impressions, jeune homme? Bah, la météo pourrait être mieux, mais c'est le test, hein. Alors, quand il dit la météo pourrait être mieux, je vais quand même tempérer. Aujourd'hui, il est censé faire moins 6. Ouais. Hier, il faisait moins 30. Ouais, mais hier, il y avait du soleil et puis pas de vent. Alors, la tarière est neuve. Flambeau neuf. Et là, c'est son inauguration. La première fois qu'elle va, qu'elle va tarieter. Marche bien, je pense que tu as fait un bon investissement. Il y a quoi comme profondeur à peu près? Il y a 60 cm de glace? Ouais, 50-60, hein, c'est ouais. Quand même beaucoup. Donc il doit y avoir entre plus d'un mètre d'eau libre en dessous, 1 mètre, 1 mètre 50. C'est pas énorme, mais. Ouais, là c'est bon, ça devrait plaire aux poissons. On a des bonnes choses à leur offrir. C'est gratuit, venez vous servir. Bon, ben voilà, on est à la pêche et on essaye d'attraper quelque chose. Donc on a déjà mis deux brimbales, des brimbales en bois. Là on est devant le quai et on regarde si on peut attraper quelque chose. Là on met une troisième brimbale, donc les deux brimbales qu'on a mis c'est avec des poissons. Et puis là, la troisième brimbale qu'on met, c'est avec un verre. Là, comme il fait froid quand même, j'ai mis les verres dans ma veste pour pas qu'ils gèlent. Ouais. Et puis là, donc là, on a le réglage de la brimbale par le spécialiste. Voilà. Spécialiste depuis 10 minutes. Ouais. Putain, celle-là, on dirait qu'elle ne peut pas. Alors, il faut quand même savoir qu'il a traversé la moitié du monde pour venir saluer. Les poissons de la rivière des Outaouais. On espère qu'ils vont lui faire bon accueil. Ah ouais. Alors peut-être que sa réputation l'a précédé et peut-être que les poissons sont un peu intimidés. Mais quand ils le connaîtront, ils verront que c'est un mec sympa. Et que je les relâche. Ouais, qu'il les relâche après. C'est-à-dire, il les attrape, il leur fait des guili-guili, un petit bisou et hop, il les remet à l'eau. Et ce qui fait qu'après, bah, il peut attraper 10 fois le même poisson. Ouais, si le poisson est con. Ouais, ou alors il invite ses cousins, il invite sa famille, il invite tous ses potes. Ah. Et puis ce qui fait qu'après, bah, c'est la fête pour tout le monde. Un montage de plus. Voilà. Et puis, donc là, c'est quoi que tu fais là? Bah, je vais pêcher en vertical. Dans une. J'ai juste un leurre, comment on appelle ça, qui a pas vraiment une queue comme un shad avec une petite tête plombée, et puis je vais le dandiner comme ça en vertical à mi-hauteur, soit à peu près. Et si un poisson passe par là et qu'il le trouve à son goût, il va peut-être le croquer. C'est le fil qui est sûrement un peu gelé. Là, je descends un peu.
marche moins bien qu'avant. Est-ce qu'il n'y a pas un couteau qui s'est dévissé? Ah non, c'est parce que c'est tout gelé. Ouais, c'est plein. Ouais, regardez la profondeur. Sur la rivière des Outaouais. Et là, vu le trafic que ça a fait, ça a peut-être pas marché tout de suite. Oh putain, on craque. J'ai vu en été. J'ai même pas fini. J'aimerais bien voir un drapeau pleuvoir. Mais bon, ça, les poissons, ils en savent rien sous la glace. Ah, c'est quand même beau. Je suis comme Cyril Choquet, j'ai mon caméraman. Bah là, je vais préparer la bouffe. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Donc là, ça fait quelques heures qu'on se bat pour essayer d'attraper quelque chose. Et bien entendu, on voulait manger notre repas, mais on n'a pas de repas à manger. Ça n'a pas mordu. Donc là, je descends avec les victuailles. Et nous allons casse-croûter. Bon, bah là, j'arrive au camp de pêche. Voilà, voilà. Je descends la pente, entre aide, j'avance, il y a du soleil, il y a un petit vent frais. Là, voilà, j'arrive sur la glace. Voilà. Alors où sont les poissons? Toujours pas de poissons, rien du tout. Où sont les poissons? Je les vois pas. Où sont les poissons? Où sont les brochets? Je vois pas les brochets. Où sont-ils rangés? Enfin, c'est dingue ça. Bon, on rentre dans la cabane. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, là, on va falloir qu'on mange. J'étais sur le point de m'endormir. Hein. Mais on va manger les pieds dans l'eau. Ouais. Ah, ça commence. Alors là, ici, sur la ligne, là, je pêchais la ligne avec un petit verre. Et la ligne à ma droite, je pêche avec un petit poisson mort. Et j'attends désespérément la première touche de la journée. Là, je viens d'aller nettoyer les lignes dehors. Alors ce qui se passe, c'est que l'eau qui est à la surface des trous gèle. Et alors il faut prendre une écumoire, casser la glace, puis libérer les lignes. Parce que quand le poisson va tirer sur le fil, le drapeau ne va pas se lever parce que le fil est carrément gelé dans la glace. Donc il faut nettoyer régulièrement les lignes. Donc si j'y vais pas tous les, moi je dirais 15-20 minutes, ça a fait une couche de glace suffisamment épaisse pour tout bloquer. Donc je viens d'aller le faire, et ben dehors il fait fret. Dehors c'est vraiment terrible. Il y a un petit vent glacial, et il fait froid. Par contre dans la cabane, aussi surprenant que ça puisse paraître, il fait aussi froid que dehors, là. Par contre il n'y a pas de vent, et l'eau ne gèle pas.
Donc les deux trous qu'on a fait n'ont pas gelé. Ça fait plusieurs heures qu'on pêche. Donc dans la cabane, il fait quand même nettement plus chaud que dehors. Là, ça marche. Alors, chose étrange, la fenêtre est fixée avec du velcro. Donc d'un côté il y a une fenêtre qui est fixée avec du velcro, puis de l'autre côté il y a une sorte de volet qui est également fixé avec du velcro. Donc si j'ouvre la fenêtre fixée avec du velcro, je peux carrément sortir la tête. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà, voilà. Et oui, je suis à la fois dans la tente et hors la tente, là voilà, hop. Ah, c'est cool, c'est cool. Ah ouais, c'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. Bon, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est bien. C'est rigolo. Bon, on va refermer. Alors voilà, pour refermer, par contre, c'est une autre paire de manches. Pour refermer, c'est une autre paire de manches. Le velcro, il veut pas se mettre à la bonne place. Ah oui, le velcro, il veut pas se mettre à la bonne place.